Précédemment, dans The Dream. Reliante! Reliante, t'es qu'un fumier! Voilà. Oh l'enfoiré! Le chacal! Le vieux chacal! Salut à tous les amis, ici Fan tout petit, plus connu sous le nom de Fanta. Je suis très fier de mon chapeau, mais je suis en compagnie du grand, du magnifique Bob Lennon. Salut Bob. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue dans un nouvel épisode formidable de The Dream avec le drapeau norvégien sur ma tête. Voilà, vous avez été nombreux dans les commentaires à me le dire, c'est le drapeau norvégien, ça fait plaisir. Hein. C'est la ils ont de la culture, alors, a priori, nos fans. Oui, ils ont surtout la culture de Google, ça veut absolument rien dire. Enfin bref, aujourd'hui, mon cher Fanta, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, on avait un projet de Jurassic Park, je sais pas si tu te rappelles. Tout à fait, c'était prévu. Eh bien non, pas ici. Regarde cette map. D'ailleurs, quelqu'un oui, a dit que ça ressemble au Brésil. C'est marrant, ça ressemble au Brésil. Donc, si ça dépendait que de moi, ce serait pas les USA. J'ai essayé de mettre le feu à cet arbre en tirant des boules de feu. Ça marche. Regarde ça. Ouais, c'est ce que je te disais. Ça marche. Voilà, on a absolument rien à foutre et on va progresser, mon Fanta. Progresser, mon Dieu, progresser. Et oui, regarde, viens avec moi. Viens avec moi à travers les fourrés. Oui, c'est vrai, oui. Oui. On peut nous courir nus dans l'herbe. Hein. Tout à fait. Nous sommes en vérité dans les Caraïbes. Encore. Non. Ah, non. Ah oui. Ah, si. D'ailleurs, Christophe Colomb, il n'avait pas découvert l'Amérique, en vrai, au début. Il a découvert mes couilles. Il a découvert les Caraïbes. Il ne faut pas déconner. C'est ça. C'est après, dans la seconde expédition, quand ils ont débarqué et qu'ils ont fait tout le bordel, que là, ils ont commencé vraiment à planter du terrain. Mais c'est pour ça que les Français, les Anglais et que tout le monde a réussi à en bouffer un morceau. Après, historiquement, ah, merde. C'est une île, en fait. Oui, c'est une île. T'as vu? Ça compte pas. Oh, mon Dieu, c'est paradisiaque, ici. Ça compte pas. Le seul moyen de trouver le prochain endroit fantais, les vrais États-Unis d'Amérique, c'est de reprendre la mer. Alors, tu suis Pikachu. Oh, mon Dieu, t'es un Pikachu, mais comment t'as fait ça, enfoiré? Bah, j'en ai trouvé un dans la flotte, en fait, et je l'ai défoncé, et j'ai absorbé son âme, et depuis, bah, je suis un Pikachu. Ça ne fait aucun sens. Oh, mon Dieu, c'est pas un Pikachu. J'ai aucune idée de ce que mon Dieu, il faut que tu retrouves ces trucs-là. Ça va avec le truc des gènes. Il y a des créatures que tu peux croiser. Ah. Qui sont moitié tortue, moitié autre chose. Transforme-toi en poulpe, sinon t'avanceras pas, mon fanfan. Ouais, alors attends. Comme il me provoque. Non, c'est pas ça. C'est... On en a pour environ 100 mètres, hein, je te promets. Si, il y a de la dissidence. Alors attends. Ouais, effectivement, bah, c'est dommage que t'aies pas trouvé parce qu'en général, ils arrivent en wolfpack, enfin tu veux, en meute. Et il y a quelques créatures comme ça qui se mélangent entre eux et on peut faire des trucs avec. Malheureusement, j'ai pas révisé mes mods. Ouais, donc je saurais pas vous dire. Aujourd'hui, éventuellement, je peux faire un petit peu les dinosaures et puis un petit peu d'architecture avec vous. Moi, j'appelle ça un Pikachu. Mais du coup, découvrant que c'était une île, oui, Fanta, frustré par la découverte de Reliant et par son plantage de drapeau en premier sur la découverte magnifique des États-Unis d'Amérique, j'ai continué vers l'ouest. Jusqu'à tomber sur le continent, le vrai continent. C'est un continent ? Un continent, un vrai, mon Fanta, pour y planter le drapeau, le drapeau de la gloire. C'est comme toi, tu es un continent. Mais non, mais... Le drapeau de la gloire, Fanta. Le drapeau de la Fanta Bob Force. Le drapeau représentant de notre union indéfectible et absolument formidable. Bienvenue à Lennonia. Je l'ai appelé comme ça en attendant qu'on trouve. Oh, bah non, il n'y a pas de meilleur nom, c'est parfait. Bah oui, mais c'est pas... C'est parfait, Bob. Lennonia. Et en plus, ça sonne très bien, et c'est sublime, et c'est génial, et c'est super. Tada. Putain, le mec il bosse en fait. Pardon, excusez-moi, je chante très mal. Et tada, bienvenue Fanta. Non, attends, c'est une rivière empoisonnée. D'accord, bah je voulais savoir parce qu'elle avait l'air magnifique.
Mais non, mais le mec, oh, du plutonium fondu. Non, 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 non. Et du coup, tada, j'en ai profité pour aplanir le terrain avec mes mignons, ce qui a révélé, regarde, avec mes larbins, ce qui a révélé cette petite mare souterraine. Avec du diam, ça gogo. C'est ça, c'est ça. Regarde ça, on est au milieu de trois biomes. On est au croisement d'un biome d'herbe, d'un biome de d'herbe terre sèche, très propice, moi je dis, à l'implantation d'un parc d'attractions jurassique et d'un biome sable avec les palmiers et tout ça. Et derrière, je me suis amusé avec tout notre matériel disponible à la maison à construire des tas et des tas et des tas et des tas et une super installation jusqu'ici. Fanta, je t'invite à visiter. Ça sert à rien, le robinet ne marche pas, il est purement cosmétique. Fanta. Parce qu'il me dit quelque chose. Place 3-3 water block source under the layer the tap is on with the tap in the middle. Il te donne le mode d'emploi. En clair, ça te permet de faire tomber de l'eau de là où ça se trouve. Je m'en fous. C'est ça. C'est... c'est purement cosmétique, mon fanta. D'ailleurs, j'ai planté des fraises, si tu peux. Oui, j'ai vu. Dans ma tête, je me dis, il nous faut des patates. Et regarde, là, il y a une sublime utilisation du Carpenter's Block. C'est superbe, Bob. Non, mais je suis sur le cul, hein, depuis tout à l'heure. En fait, tu me donnes du rêve. Hein. Attends. Il faut savoir que dans Carpenter's Block, tu peux créer des blocs de charpente qui sont des blocs en bois un peu transparents, viens à l'intérieur de la maison et t'enverras un au plafond. C'est avec les marteaux que tu fais ça, non? Non. Ça, après, tu peux bidouiller avec le marteau, mais je ne l'ai pas fait avec le marteau. Ce que je veux dire, quand tu places un Carpenter's Block, Fanta, ça te met un bloc en bois carré, vide, qui ne sert absolument à rien. Mais si tu places un autre bloc sur ce bloc en bois carré, il va prendre la texture de ce bloc, tu comprends? Oh. Donc en clair, tu vois tous ces escaliers en palmier? Escalier. J'ai mis d'abord des escaliers en bois, des structures en bois. Oh! Puis des feuilles de palmier par-dessus, tu comprends? Ah, donc en fait, tu changes la texture du truc. Exactement, c'est pour ça que regarde, ce toit à côté est penché et il est en palmier. D'ailleurs, c'est un toit lisse, regarde, de l'autre côté. Oui, j'ai vu ça. T'as vu ça? Un toit lisse. Et ça, c'est. Oh, tu changes. Le plutonium, pardon. Ça, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, et regarde, rentre à l'intérieur de la maison, Fanta, et tu verras parce que j'en ai laissé au plafond. Superbe store et tout. Regarde ça, j'en ai laissé au plafond, tu peux en voir, regarde. Alors aussi, il faut savoir que tu vois ce que c'est ça, les blocs de Lightstone, tu veux dire, et combien ça t'a coûté. Comment ça, tu fais un Carpenter's Block? Alors, le Carpenter's Block... Je vais chercher Ed Carpenter. J'ai fait ça il y a une semaine... J'ai fait ça une semaine, donne-moi une toute petite seconde. C'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé, donc c'est... plein de sticks. C'est plein de sticks. En fait, c'est des sticks autour d'une planche. Casque, il y a un casque quand même. Non, ça compte... D'accord. Oui, là, c'est un stick. Ça compte comme un stick, me pose pas la question. Mais quoi qu'il en soit, quels que soient les sticks, c'est pas important, ça peut être du bambou, ça peut être n'importe quoi. J'ai bien claqué dans nos ressources, et ça t'en fait 5 quand tu le fais. Et du coup, là, tu peux les placer. Tu vois, regarde, il y en a qui sont encore au bord que j'ai pas recouvert volontairement. Ah ouais, parce que et donc là, par exemple, si je mets un truc dessus, ça devient ce que c'est. C'est ça, sauf évite de le faire, s'il te plaît, parce que ça nique mon décor. Oh, il est pas joueur, le Lennon. Bon, bah vas-y, amuse-toi. Qu'est-ce que tu veux mettre dessus? De la cobble. Le vas-y, mec, vas-y. L'intérêt de la Carpenter. Vas-y, mets de la cobble, j'en ai rien à foutre. Vas-y. Allez. Alors attends, pourquoi il veut pas me laisser sortir? Laisse-moi sortir, hop. Je mets de la cobble. Voilà. Oh! C'est un bloc de cobble. Maintenant, est-ce que tu peux mettre un bloc qui n'a aucun sens que ça existe en termes de texture? Je peux mettre un fut? Non. C'est de mettre n'importe quoi. Je vais essayer de mettre un fut. Un pantalon. Ah si. Non, ça marche pas quand même. Non, ça marche pas. Et vu que j'ai rien d'intéressant... Il faut que ce soit un bloc ou un truc de texture, un minimum, quoi. C'est pour ça. Mais du coup, voilà. Et donc, tout le sol que tu vois aussi n'est pas fait en foin, mais est fait en Carpenter's Block recouvert d'une petite couche de foin. Ça coûte moins cher, du coup, c'est moins de gaspillage. Moins cher, du coup, c'est efficace. La table avec les chaises. Alors, les chaises, c'est facile de faire des chaises, mais regarde la table. C'est une table de craft. Mais oui. Du coup, elle est magnifiquement masquée. Oui, non, mais on reconnaît le style lennonien avec un « oh là 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 ». Exactement. Avec, ensuite, je me suis amusé avec le four et bien sûr la hotte. Hotte volée chez Reliant, bien évidemment. Il y a un respect. Il y a un respect. Et le canapé, ce canapé, Fanta. Oui, sublime. Tout en laine. Il suffit d'utiliser des tapis et des blocs de laine et c'est assez facile, en fait. Pour les peindre, on avait du cactus, donc ça traînait. Et enfin, le cupboard. Mais regarde, Fanta, la radio. Clique droit sur la radio. Oh, ça marche. Est-ce qu'on peut voir Kat? Il est où Kat? Voilà.
Ah, ça te rappelle des souvenirs. Ah oui, sublime, ça va nous faire de la musique pour la fin de l'épisode. Comme elle a été construite à flanc de la montagne, cette maison, tourne-toi vers la table. Alors je sais que c'est pas très glamour, mais regarde le mur. Oui, j'ai vu. Il donne à l'intérieur d'une caverne naturelle. Ouais, tu peux voir des monstres éventuellement. Ouais. Parfois, il y a des monstres qui apparaissent et tout. Et du coup, ils sont paumés, ils savent rien. C'est formidable. Ouais. Même les creepers ne te voient pas à travers cette vitre. Et du coup, voilà, avec la petite lampe de chevet, bien évidemment, clique droit dessus pour l'allumer. Le plafond en carpenter's block et en feuilles de cocotier. Tu remarqueras que les feuilles qui ont été utilisées sont les mêmes que les cocotiers qui sont sur la plage, Fanta. Il est minuit passé. Hein. C'est là. C'est oui, pour Fanta, il est complètement crevé, le pauvre. Ça veut juste rien dire. Aussi, regarde pour le sol avec les petits cailloux. C'est très facile à faire. Il suffit d'utiliser un bloc et de la cobble et ça se fait extrêmement facilement. Et enfin, j'ai utilisé, comment ça s'appelle, le peu de pierres moussues qu'on avait. On en avait 16. Avec un chisel, tu sais, le ah ouais, tout à fait, j'en ai un, oui. Voilà, histoire de rendre ça un peu beau. J'ai mis aussi des petits drapeaux. Pour ça, il suffit d'avoir des petits bâtons et des tapis de laine. C'est très facile. Super. Et du coup voilà. Accessoirement Fanta aussi, j'ai créé une nouvelle chose. Rentre à l'intérieur de la maison et va dans le second compartiment, là où il y a le lit. D'accord, je ne suis pas un homme facile, Bob. C'est pas grave. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Regarde ce moteur. Oui, Redstone Energy Cell. L'Energy Cell en Redstone. Elle est trois fois plus technologiquement avancée. Il m'a fallu trois quarts d'heure pour la faire. Je vais pas vous l'expliquer parce que ça prend trop de temps. Trouver des tutos sur internet. Sinon, on y passerait trois épisodes. Tellement j'en ai chié pour le construire avec le modèle qu'il a fallu. Et qui est rempli à fond d'énergie lavarique. Enfin, de lave. Enfin, de la maison. Et du coup, grâce à ça, Fanta, on va pouvoir alimenter tous les appareils électriques et électroniques que toi tu voulais faire afin de créer des dinosaures. Oui, surtout qu'il y en a pas besoin. Surtout que il y a pas besoin d'énergie. Il y a pas besoin d'énergie pour créer les dinosaures. Non. Non, mais c'est sympa d'avoir l'électricité, ça fait un côté moderne. Les dinosaures, bon, je on aura besoin d'électricité à un moment. OK, bah voilà, le plutonium. Fondu. Désolé, hein, c'est tout ce que. C'est tout ce que. Et j'aime beaucoup tes stores. Tu vois, t'as des jolis stores, Bob. Là, tu vois ma tête ? Regarde ma tête. À peu près ce qui est en train de se passer dans mon esprit. Mais enfin, on va devenir fou et on va progresser. Du coup, il y a une chauve-souris là et on va la battre. Regarde, Fanta, ce drapeau aussi. Ouais. Ce drapeau. Oui, Fanta Bob Force. Il faut le regarder dans l'autre sens, mais. Il faut le regarder quand on vient de la mer, mais. Donc coup, le doré pour l'argent des abonnés, le bleu pour moi. Le rouge et or pour moi, le noir okay. Et bleu pour toi, le blanc au milieu pour la paix, l'association et la parité de tout ce que tu veux. Et enfin, il faut savoir que ce drapeau, même s'il est très joli, chers amis, j'ose le dire, il me plaît pas des masses parce qu'en fait j'ai été très mauvais. Bah, j'ai été très mauvais à créer ce drapeau et du coup il rend pas il super pas bien. De... Non mais quand même. Hein. Il est pas mal, mais tu et vois. Puis avec des mini blocs et tout, il y a de l'effort. Donc j'ai envie de lancer, chers amis, un mini-jeu. J'ai envie de vous demander sur Twitter, sur Facebook, où vous voulez, hein, de poster ça sur DeviantArt aussi, hein, sur les fans de Bob Lennon. Hein. Il y a le DeviantArt officiel Fanta et Bob. Je sais que ça s'appelle les fans de Bob Lennon parce que ça servait à ça au début, mais c'est sur DeviantArt. J'ai envie de vous demander, chers amis, créez vous aussi votre version du drapeau Fanta Bob Force. Voilà, dès que Fanta... C'est une bonne idée. Oui, oui, donc Bob veut lancer un concours, le drapeau Fanta Bob Force, mais n'hésitez pas à soit nous les tweeter sur Roy Lennon, soit sur TheFantasy974, soit sur le DeviantArt de Bob. Cependant, il faut, pour qu'il aille sur le DeviantArt, il faut qu'il soit beau. Hein. Si c'est un petit truc moisi que vous avez fait entre deux heures de cours... Enfin, il y a des trucs moisis ça qui sont faits entre deux heures de cours qui sont chouettes, mais voilà. Ou sinon, vous me l'envoyez par mail, fantabobshow@gmail.com, ça marche. Exactement. Ouais. Et j'aimerais bien voir si on a une bonne dizaine, vingtaine de drapeaux, choisir le plus beau et enfin l'arborer, parce que j'avoue que si celui-ci est joli, il fait beaucoup penser au drapeau Pepsi, en fait. Donc c'est le... Ah ouais, c'est ça qui te dérangeait. Mais en même temps, ça ressemble à du Pepsi. Donc j'ai essayé de rajouter le petit coin en or et le petit coin en noir, mais Pepsi. Du coup, c'est malheureusement pas Coca-Cola. Tu vas arrêter de tirer sur mon drapeau, c'est pas vrai ça. C'est une superbe cible. Tu mérites pas tous les cadeaux que je te fais. Tiens, Fanta, j'ai encore du cadeau pour toi dès que j'ai buté ce zombard. Oh, une vache. Elle est trop mignonne. Regarde, Fanta. Tu crois qu'elle brûle? Hein? Oh, Boxy! Merci, voilà. Merci à toi et pour tous les abonnés qui t'adorent rien que pour ça. Résurrection de Boxy, chers amis. Résurrection tiens, de allez, Boxy. Je lui mets un petit coup de bleu, tu vas voir. Ah oui, c'est vrai que tu peux faire ça. Putain. C'est ça qui est bon. Il a survécu ? Ouais, c'est son boulot.
Nice. C'est dingue ça quand même, parce qu'il est en train de cramer là. Ouais, c'est bizarre. Enfin, tout se passe bien. Tu remarques qu'il y a les nénuphars. Et du coup, voilà, Fanta, tout ce qui nous reste à faire, c'est créer les appareils électro-bio-écologiques, magnético-bullshito, tout ce que tu veux, qui niquent les lois de la thermodynamique, et faire des dinosaures. Et tu veux pas que les dinosaures, on les fasse sur l'île là-bas, comme ça, si ça dégénère, on nique pas ton magnifique endroit? Mais non, c'est fait pour être Jurassic Park ici. Ah, d'accord, ok. J'ai fait exprès d'être tout à plat, dire Fanta, j'ai tout préparé. Mais c'est trop petit, c'est trop petit, tu sais. Bah non, c'est très très bien. Enfin, on peut s'étendre juste derrière en longueur. Alors après, il y a cette espèce de crevasse qu'il faut recouvrir, je te l'accorde. Mais globalement, on peut faire un pont, une crenée comme ça, non? En même temps, on aurait pu se servir de cette crevasse pour en mettre quelques-uns. En plus. Donc, tu vois, Moi, je dis oui. Je dis oui. En plus, je trouve que la couleur de l'endroit est plus intéressante que le vert classique. C'est un ah oui, le biome est vraiment très beau. Après avoir traversé un océan grand comme ma... Voilà. Comme ta femme. Non, excuse-moi, elle était gratuite celle-là. J'ose plus. Ah, il est minuit, on est fatigué. Bref, enfin surtout Fanta. Bref, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On est installé, on est là, on est en long, en large et en travers. Moi, je serais pour. Oh mon dieu, tu veux faire ça là? Mais c'est trop gros, tu t'imagines? Ne serait-ce qu'un T-Rex, c'est grand comme la. Le T-Rex, on va le mettre plus loin. C'est loin le T-Rex. Okay. D'abord, lui, on l'a déjà buté, lui. On fait une cage avec un bronchiosaure ou une connerie comme ça. On apprend déjà à s'en servir et à le nourrir correctement. Bon. Et une fois que ça c'est fait, Pour étendre la surface quand même, quoi qu'il en soit. Entre deux épisodes, dans ce cas-là, peut-être dans la prochaine session, d'ici la prochaine session, j'étendrai la surface avec les larbins. Tu veux bien? Du coup, on aura une grande surface. Bah dans ce cas-là, là, je regarde un petit peu derrière. Qu'est-ce qu'on a? On a un bel étendu. Est-ce que on se fait une pièce pour tout ce qui est merde? Je vais me faire attaquer là. Tu veux dire une pièce pour? Bah pour mettre tous les ustensiles Jurassic Parkien. Eh ben il y a déjà le coffre à côté du drapeau. Il y a plusieurs coffres à côté du drapeau. Et tu veux qu'on les mette comme ça dehors? Moi, je pensais faire un petit labo, un truc comme ça, tu vois, genre... Il est fou. Moi, je pensais faire des cages, tu vois, je pensais faire des cages, on fait une petite cage, et puis on fait balader le petit machin dans un petit enclos. Oui. Et puis, on en met un de chaque vite fait, bien fait, et puis à la fin, on arrive à enfermer un T-Rex dans un enclos, et puis on l'expose, et ce sera la plus grande réussite de l'univers. Je pensais un vrai parc, avec un endroit où il y a le labo, où on cultive les œufs, et on se demande quel est le fou qui fait ça, et puis ensuite, plusieurs cages avec différents dinosaures. Mais les dinosaures, ils sont gros, je sais pas si tu te rappelles, le Triceratops, déjà, il était énorme. Hein. J'en sais rien, je peux pas penser à faire des super maisons of doom pour le gardien, hein, tu sais. Oui, tout à fait, mais il faut un petit peu excentrer si on veut pas avoir les bruits des cris des chèvres. T'as raison. Bah dans ce cas-là, cette colline que tu escalades, je la planierai pour la prochaine fois, je la raserai complètement. Et on aura un grand terrain vague et terrain plat, ça te va comme construction? Ouais, mais on peut faire ça en vidéo aussi, mon petit bobo, pas de problème. Je sais pas, on dirait un genre de villageois. Est-ce que c'est un mutant à ton avis? Non, c'est une sorcière, je crois. Ow. Coven Witch, ouais. Une sorcière du couvent. Ça veut dire qu'il y a un cercle de pierre pas très loin, Fanta. Ah, et peut-être on pourra le piller et découvrir enfin ce que ça veut, à quoi ça sert le net machin. Le filet, là. Je suis en train de me faire défoncer. Ok, très bien. Ok. Flap, 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 et bah écoute. Nouvel univers, on explore un petit peu les environs. Oui, on profite, hein, effectivement, et je ne vois pas de couvent. Par contre, je vois de la lumière, aussi étrange que ça puisse paraître. Non, c'est de la lave. En tout cas, on est bien au niveau faune et flore ici. Tout à fait. C'est pas mal du tout. Ah si, je le vois, Fanta, j'ai trouvé le cercle de pierre. Donc oui, c'est vraiment au sud de la maison, il y a un cercle de pierre, en fait, littéralement. C'est parfaitement au sud, donc on pourra l'explorer plus tard lors du prochain épisode. Fanta, j'ai encore des choses à te montrer cependant. Ouais, ok, je te suis. Reviens. Très bien. Ok, alors attends, des choses absolument incroyables. Tu vas pas y croire. J'ai trouvé le moyen, plutôt Reliant m'a appris, à créer de l'énergie infinie en baisant la thermodynamique. Quoi? Ah, j'ai cru en baisant la Terre. En baisant la thermodynamique. C'est-à-dire en la faisant couiner jusqu'à ce qu'elle me supplie d'arrêter, tu sais. C'est juste horrible. Ok, viens voir. Je vais faire ça. Y a pas un petit bloc qui traîne? Non, attends, une seconde, je récupère un peu de sable. Un cube, au pif. Est-ce que je
peux avoir un cube au pif, monsieur le juge. Super, excellent, on avance, très bien. Voilà, ça y est, c'est fait. Ok, Fanta. Ok, ok. Regarde. Tu vois l'appareil que je... Oh, putain, ouais. Tu vois l'appareil que je vais poser dans l'eau ? Ouais. C'est un accumulateur à queue. D'accord. Comme tu peux le voir, un seul mot. Voilà, oui, oui, un accumulateur. Oui. Tout à fait. Comme tu peux le voir, il est en train de s'accumuler de délicieuses eaux précieuses qui l'entourent. D'accord. Jusque-là, rien d'illogique, rien d'anormal, ok ? D'accord, oui, oui, tout à fait. Ça ceci est une turbine à vapeur. Entendu. Je vais maintenant mettre un tuyau, qui va de la turbine à vapeur jusqu'à l'accumulateur à queue. Voilà. Ouais, maintenant, quand tu passes ton curseur dessus, tu vois qu'il y a de l'eau qui passe à l'intérieur du tuyau. Et tu peux regarder à l'intérieur du truc à vapeur. Regarde le nouvel appareil que j'ai mis. À l'intérieur, oui, oui, ça se remplit. L'eau s'accumule dans la turbine. Voilà. Et de ce fait, sans énergie, sans rien, juste avec de l'eau, ça produit de l'énergie. Mon Dieu. Ah bah oui, une machine à vapeur. Une machine à vapeur. Non, mais Fanta, la machine à vapeur. Ouais, mais sans chaleur. Ah ouais, c'est ça. C'est con. La machine à vapeur sans chaleur. Ça nique la thermodynamique. Ça en a rien à foutre. Rien à foutre. Ça ne respecte rien. Du coup, j'ai plus qu'à connecter ça, tu vois, à mon moteur. Ah là-bas. Oui. À mon moteur. Et on est bon. Et on est réglé. Et c'est automatique. Et je peux faire ça à partir de n'importe quelle source d'eau, de flotte. Je pourrais même mettre ça à l'intérieur de la caverne, Fanta. Et d'ailleurs, l'Energy Cell, tu peux la mettre ailleurs si on en a besoin. Parce qu'en fait, c'est juste une batterie. Tout à fait. Sublime, Bob. Bravo. Excellent. Et du coup, voilà. Et c'est complètement craqué, si je puis me permettre. Ouais. Bah écoute, ce qu'on va faire, on va essayer de poser la base. Ça va ouais, être... Il faut savoir que ça ne produit pas autant d'énergie que le générateur de lave, même si la lave consomme est consommée, et du coup l'énergie est finie. Donc cette énergie-là est infinie, Fanta, mais elle est assez faible. Cependant, c'est craqué. Il suffit que j'en construise deux comme ça et c'est réglé, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, tout à fait. On a de quoi faire un téléporteur d'ici. Ah oui, tu en as fait un, dis donc. Un téléporteur, Fanta. Génial. Je vais partir à la maison, je vais chercher un petit cactus parce qu'on a besoin de faire un cultivateur. Et puis, d'abord je passe par là. Un morceau de cactus pour faire un cultivateur, très bien. Ouais. Et le cultivateur, on va le mettre à plat dans une zone sympa. T'es sûr que ça n'a pas besoin d'énergie, le cultivateur ? Ouais, j'en suis sûr. Par contre, tu vois, j'aurais bien aimé une petite pièce un peu savant fou, mais bon, on va déjà poser les bases et on verra comment on améliore. Si les dinos sortent, ils vont. Tu vois ce que je veux dire? Quand les dinos vont sortir, malheureusement, ils vont péter la zone, donc tu peux pas faire ça en intérieur, tu vois. Ouais, j'entends. Alors, je prends le maximum de trucs qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà fait. On pourra les refaire pour vous le montrer. Mes minions, en rasant la zone, hein, déjà en rasant la zone et la zone précédente, ainsi que je les avais envoyés crever, oui j'allais dire, je les ai envoyés creuser, je les ai envoyés crever. Donc oui, au final, pourquoi pas, acceptons. Il y a quand même, hop, tac, 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 il tac, reste tac. Pas des minions. Voilà, c'est ça. Hop, et tu sais qu'on a trouvé la fonctionnalité pour te cloner les bons dragons, tu savais ça? Pas du tout. Si, c'est slash breed, et puis tu mets le type de dragon que tu veux. Ah, ça sera dans un des prochains épisodes. Attends, je prends un petit peu de verre, juste pour faire l'intégralité des crafts dont je vais avoir besoin. Ok, prends ton temps, moi pendant ce temps-là, je me prélasse avec la radio. Ah oui, Fanta, en pillant les coffres de je ne dirais pas qui, je... Ah, c'est la gratuité. J'ai trouvé des CD de musique. Ah yes. Des CD de musique, même des CD de musique que je ne connais pas. Je les ai écoutés, je trouvais ça sympa et je pense que pour bosser sur cette île, sur ce projet en même temps qu'on passe ce genre de petite musique, c'est sympathique. Au passage, il faut savoir, chers amis, que Reliant est un ami et que je dis que je pille allègrement dans ses coffres, mais c'est il faut pas vrai. Que ce n'est pas si vrai vous avez suivi, vous le savez. Ouais. Voilà, c'est pas vrai, à 50% la plupart du temps je prends les idées chez lui, mais je vais pas lui piquer son matériel, sauf s'il a vraiment 800 milliards de cobble et que je lui prie qu'un stack parce que ça peut vraiment servir. Mais il peut se servir chez nous aussi pareil, y a pas les mecs, on est dans un monde libre, dans le libre échange de vie, de bonheur et tout ça. Et de toute façon c'est la taxe, c'est la taxe pour le serveur. Exactement. Alors, de toute façon c'est lui qui m'a appris comment fonctionne la dynamo à vapeur qui est complètement craquée. Donc Fanta, regarde, très gentil, regarde.
Alors, moi, je vais mettre ça là. Et puis, pour la révision. Tiens, regarde. Hop, mes CD. Mince, j'ai oublié de le faire. On a dû faire ici ? Oui, on a dû faire ici dans ce coffre. Ce coffre Fanta qui est à côté du drapeau lénonien, enfin lénonien, Fantabobien, possède tout ce qu'il nous faut. Nous avons 20 blocs de fer. GG, Bob, GG. Tout ici n'est que... Oh, regarde, écoute cette musique. T'es sublime ! T'as vu ? T'y crois là au parc jurassique ou bien ? Ah, mais carrément, on se croirait dans le Roi Lion ou je sais pas quoi. Oui, oui, pourquoi pas. Oui. Ah merde, il me manque un saut. On se croirait dans le Roi Lion, le racisme en moins, enfin je... Le sexe en moins. Le sexe en moins, ouais. Hop. L'inceste en moins. Oh là là, quelle terreur. Quelle terreur, quelle terreur. Je vais ici. Clac, 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 clac. Je vais prendre du verre en quantité suffisante avec le petit bout de lactus. Et voilà que je vais... Je vous remontre comment. Putain, c'est pas ça. Tu peux me faire cuire le cactus ou le transformer, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Ah merde, c'est pas le bon. Le cactus. Donne le cactus. Ah, tu l'as pas ? Tiens. Non, j'ai pas pris le cactus. Voilà, ça y est, j'ai pris le cactus. Je dois avoir de la cobble, je peux bien un four. Pof, pof, pof. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De toute façon, il nous fallait un four anyway, donc ouais, on gagnait tout à fait. Un four. Oui, j'ai oublié le four, au fait. Ah, putain, voilà, pardon. Non, t'as raison. Non, j'ai pas raison. aussi, le fait que j'oublie le four, c'est quand même très con de ma part. On a de la pierre lisse, oui, on a de la pierre lisse. Ah putain, les on a pas envie d'arrêter de jouer. Hein. Les pousses d'arbres, elles brûlent pas, qu'est-ce qui crame ? Ça doit traîner, hop. Ça doit traîner. Oui, les larbins m'ont rapporté de la pierre lisse, ça j'ai pas compris ça. Ah oui, c'est bizarre. C'est craqué ! Hop. Bam. Alors. Ah, ça crame. Enfin. Un petit saut. Oh merde, il est pas vide. J'ai un saut plein. Pourquoi il est plein ? Ah oui, ils sont tous les trois pleins d'un objet que je ne comprends pas et que j'ai pu récupérer lors de mes pérégrinations. Qui est en fait un espèce de liquide mutagène bizarre en fait. Ah merde, qu'est-ce que tu fais ? Ah, c'est moi tout à l'heure qui ai pris de l'eau. J'aimerais bien vider mon seau en fait. Tu remarques qu'au fond de la rivière de poison, il y a du diamant. Tu sais qu'on peut pas vider un seau d'eau, c'est dingue ça. Si, bah non. Non, pas dans l'eau. Ah voilà, putain. Bah, attends, c'est bon. Tu remarqueras par contre que ton coffre. Oui. Chester est insensible au poison. Ah, de la rivière du poison. Oui. Du coup, j'ai récupéré le CD. Fanta, je t'invite à en mettre un autre. Hop, laisse-moi terminer ça. Je crois que je complète. Et j'ai mon feeder. J'en ai un. Je vais essayer de. Tu pourrais me faire un autre saut, vite fait. Allez, tiens, le cactus green. Un autre saut. Ça comme ça, j'en fais deux. Comme ça, je fais deux. Oui, je peux te faire ça tout de suite. Pas de souci. J'en fais deux direct. Ça, c'est pour éviter que les dinosaures se bouffent entre eux. On met de la nourriture, végétale ou animale, et c'est ce qui nous permettra de les maintenir en vie. Cool. Ouais, tout à fait. C'est donc bon, j'attends le saut. Pourquoi je sens trop ? Je ah d'accord, Chester essaye désespérément de manger un nénuphar qui est tombé au fond de la rivière de poison. C'est bon, je l'ai pris. Chester devrait arrêter de s'exciter pour rien maintenant. Et voilà. J'ai deux feeders, ça c'est fait. Et j'avais décidé de faire aussi un cultivateur, mais pour là, il me fallait un autre seau d'eau du coup. Encore ? Oh mon dieu, bah ouais. Non mais le cultivateur, je l'ai déjà, révision la prochaine fois si on a besoin d'en faire plus. Cultivateur, ah, je ça gueule encore, je crois que la France a dû marquer un quatrième but, je sais pas. Ils se battent contre qui ce soir ? Ouais, parce qu'on tourne vendredi soir minuit. La Suisse vient de se prendre la volée. Hein. Ah ouais, putain. Alors j'ai un analyzer qui va être très très utile. Où c'est qu'on met ça, Bob ? Eh ben, à l'extérieur, hein, écoute, hein, pose ça au milieu, on s'en fout, voilà, quelque part. Oh là, non, oui. Dissidence. dissidence, voilà. Attends, je l'ai, je vais le poser. Tiens, je vais mettre ton pantalon en attendant. C'est moi ou j'ai oublié un truc ? Non, le cultivateur, il va falloir vraiment que j'en fasse un. Ou alors c'est Boxy qui l'a bossé, qui l'a bouffé. Le cultivateur ? Non, il a bouffé le worktable. Il a bouffé la table de travail. Il a tout mangé, Boxy. Il en a rien à foutre. Alors, tac.
C'est Boxy de J'essaie de me concentrer au maximum, mais en fait, j'ai. Tu remarques que les reliques, les biofossiles et tout le bordel, on en a une sacrée chie. Hein. Ouais. J'ai la tête complètement à l'envers. Mais bon, en même temps, c'est pour répondre à la question quand c'est de Dream. Voilà, on vous a fait plaisir. Clac. Clac. Je suis en train de réfléchir, moi, de mon côté. Ok, nice. Moyen d'automatiser tout ça avec des tuyaux comme je l'ai fait bac à la. Ah mince, tu m'as filé qu'un cactus. Bah ouais, j'en ai filé qu'un en même temps, tu vas pas m'en filer plus. Ah, je peux pas dissidence de Fanta. Tout mettre dedans. Et voilà. Ça. Je pose tout un analyzer. Fanta, en avance de ton création d'analyzer que j'avais prévu, j'ai créé des overclockers 6. Je vais essayer de les mettre et voir si ça fonctionne. Si ça marche, ça sera génial. Ça ne marche pas. Ah, dommage. Malheureusement, ils sont incompatibles entre les deux modes et ça n'accélérera pas le processus. Ouais, cependant, on a déjà de l'ADN de T-Rex. Tu remarques, ça respecte. Ouais. De T-Rex, oh putain, excellent. Dès le début, hein. Ça respecte. Je vais créer des coffres de manière à ce qu'on puisse. Oui, on va pouvoir stocker toute cette merde. Exactement. Hop, et tu m'as donné un CD à mettre, hein. Ça, l'autre. Oui, tout à fait. Hop. C'est parti. J'entends rien. Ça vient. Donne-lui du temps. Ah tu vois, ça arrive. Ah ouais, mais super, hein, du New Age. Bah par contre, oui, c'est New Age, hein, écoute. Hein. Mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Détendez-vous. Ça arrive que... C'est ça. Et appuyez sur pouce vert. Détendez-vous. Vous êtes concentré. Vous récitez le numéro de votre carte bleue. Retournez là. Le vieux scam, tu sais. Les trucs horribles. Les trois derniers chiffres. Sinon, c'est en train de bidouiller tout ça. Envoyez tout sur Fantabop Force. Ok, donc ça c'est bon. Eh bien écoute, ça produit. Ici, il va falloir qu'on transforme tout ça en œufs. J'adorerais avoir un œuf de mammouth, hein, c'est pas faute d'avoir essayé. Alors attends, je vais alimenter ça en bouffe. Et on va voir si on a la possibilité d'avoir un œuf de mammouth. Hop, ici ça transforme. Bob est motivé. Ça cultive. Avec de l'ADN de mammouth, mais Fanta, ça ne marche pas. Ah bah bien sûr, ça va marcher. Ça a pas l'air. Mais comment tu fais pour faire un mammouth alors? J'en ai aucune idée. C'est de l'ADN de mammouth, Fanta. Si, il est en train de. Si, ça avance, hein, l'œuf, hein. Faut pas déconner. Avance. Ah oui, tu. Sauf que la plupart du temps, il se transforme en une aberration, c'est ça le problème. D'accord. Et qui pète tout. Ah oui, le cultivateur est détruit à chaque fois, n'est-ce pas? Ouais. Et d'ailleurs, j'en profite, ça me fait penser que je vais planter un petit peu de cactus dans le coin. Pour tous les cultivateurs qu'on va péter à cause de ça. Bah, mets-en là où on verra pas, c'est-à-dire derrière le cultivateur, là, sur le bord là-bas. Voilà, comme ça au moins. Sympa cette musique. Ouais, tout est relatif. Mais c'est, oui. Mais ça change. Oui, mais c'est space, tu sais, c'est pas gênant. Sinon, regarde. Voilà, j'ai rapporté le tonneau. Voilà, c'est automatique. Moi aussi. Le tonneau, il est garanti. Tu vois, on peut faire un duo. Puff, je suis en train de regarder. Vas-y, tonneau. Alors le feeder, je le garde dans un coin. J'ai le dinopédia, j'ai le school stick. Jusque là tout va bien. Voilà, hop, je change de chapeau pour aller avec la zone. Analyzer. Ouais, bah, on a besoin de rien d'autre, hein. On a besoin de rien d'autre sinon que de patience, chers amis. Le work table, on va la poser à côté. C'est peut-être le broken ancient helmet, je peux le réparer. Ah, ce serait intéressant que tu fasses ça. Je peux le réparer. Il est avec Boxy ou il est sur moi? Comment ça se fait que Boxy a ça, lui? Boxy a tout mangé, Boxy ne respecte rien. Alors, je vais mettre un fossile en dessous, je crois que c'est ça qu'il faut. Hein. Non, c'est pas un fossile. C'est l'autre type de fossile. La tablette, la relique? Ouais. Je vais en prendre une. Peut-être la relique lorsqu'elle est, comment dire, en forme de tablette? Ah ouais, attends, je mets ça là-dedans. Est-ce que les patates cuites, ça marche comme bio? Oh merde! C'est pas la tablette. Oh merde! Fais chier, putain! Pardon.
C'est la guerre, c'est la guerre, butez tous. Ah, c'est tellement rare d'avoir un... Aïe, ils nous ont rendu un... Il a rendu l'ADN, il a rendu l'ADN. Donc tout espoir n'est pas perdu, Fanta. Ouais, tout à fait. Tout espoir. Eh ben écoutez, on va faire pousser un... On va tenter de faire... J'ai été prévoyant et j'ai déjà un autre cultivateur. Oh, il est fantastique ce Bob. Vas-y, donc tu peux tout refoutre dedans. Mets des patates, de la viande. C'est pas des patates, c'est de la viande, ouais. Je sais pas, j'ai du bœuf, là. Ouais, c'est du bœuf. C'est parfait, il nous faut de la viande organique. Mais à chaque fois, ça dégénère. Hein. Je sais pas comment stabiliser la chose. Peut-être qu'il y a moyen de stabiliser. Peut-être que c'est qu'une question de chance. Je l'ignore. À mon avis, c'est une question de fion. Ouais, tout à fait. Enfin bon. Eh ben écoute, dans ce cas-là, on est à la fin de l'épisode. Ouais, tout à fait. Ben, on le saura dans le prochain épisode, les amis. Gros bisous à tous et à la prochaine. Allez, zou. Zou, Bob. Et super chapeau. Hein. Oh, mais merci. Ah, super. Et c'est la séquence fanart, hein, parce qu'ils voulaient leur fanart. J'espère que je vais en trouver un. Hein. Donc fanart. Oui, du coup, la prochaine fois, j'espère qu'on pourra mettre les fanarts des drapeaux. D'accord. Ok, oui, ça sera bien. On compte sur vos drapeaux. Donc n'oubliez pas, Twitter. Les fans de Bob Layton sur DeviantArt est un super chapeau. Et allez, c'est le chapeau de Bob Laydonski, le oui. Chapeau de Modern Russie, tu vois, ça fait plaisir. Excellent, bisous à tous et à la prochaine. Allez, zou.